Alors, recoucou mes abonnés. Bon, vous aviez déjà vu une vidéo là-dessus. Donc, je fais toujours attention au plafond et toujours au sol, bien entendu. Alors, je tiens à dire dans la vidéo que je n'accuserai personne s'il m'arrive quelque chose. Hein. Voilà, je ne mets personne s'il m'arrive quelque chose. J'en suis responsable. Je ne sais pas si j'étais déjà montée là-haut. Bon, on verra ça. Alors, si jamais ça coupe, c'est que ben, j'ai plus de mémoire dans la carte. Alors ma choupie, elle est dans le sac, hein. D'accord, ne vous inquiétez pas, elle est dans le sac. Je ne la laisse pas marcher comme ça n'importe où parce que... Voilà. Mais bon, en même temps, je dois avoir des anges qui me protègent, donc tout va bien. Voilà, je ne m'inquiète pas. Je crois que j'étais déjà montée là. J'ai mon sac à dos. Et en plus, il faut que je porte le sac de choupi. Oh putain, que c'est lourd. Oh la vache. Ah oui, j'ai dit un gros mot, pardon. Ben oui, écoutez, hein, je suis humaine. Hein. Moi aussi, je peux... Ah, je suis crevée. J'ai du poids à perdre. Ah, je vous le dis, moi. Ah, j'en peux plus. Alors, je vais rester ici. C'est un peu plus en sécurité. Là, je crois que ça s'arrête là, donc je vais changer choupi de bras parce que ouf, ça pèse. Puis je vais me tenir là, vous voyez, je me tiens là parce que faut pas que je tombe. Alors oui, je sais, mon ADN est partout, donc oui, voilà, hein. J'y peux rien, hein. Voilà, donc on sait que je pose les mains partout. Oui, mais bon, il ne faut pas que je tombe alors. Oui, je sais, vous allez me dire, la rampe, elle est sale. Ben, c'est pas grave, on vit tous avec les microbes. Je suis déjà un microbe entier. Alors, vous savez, hein, où j'en suis. C'est pas grave, ne m'inquiète pas, moi.
Alors la chaufferie, bon, moi je ne rentre pas dans la chaufferie, bien sûr, hein. Il ne faut pas non plus exagérer, hein. C'est là que je rentre dans la chaufferie, tout tombe en panne. Quoique, vu qu'il n'y a rien, je pense qu'il n'y a rien qui doit fonctionner là. Ah oui, parce qu'avec moi, avec la chance que j'ai, moi, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein. J'ai rien touché. Boum. Oui, je sais, je suis très connue pour ça. J'ai rien fait, mais il faut toujours que ça tombe sur moi. Voilà. Donc, j'ai rien fait de mal, hein. J'ai pas touché. Non, non. Aïe. Aïe. Je me tords les pieds dans ces trucs. Ils ont mis des barrières. Ils se sont dit, Madame Garcia va encore passer avec sa caméra. Elle va filmer. On la connaît. On la connaît. Voilà, je vous montre un petit peu. Hoche. Là, il y a le chapiteau. Donc là, c'était une ancienne laverie. Alors là, je ne vais pas marcher parce que je ne sais pas si c'est solide ou pas, malgré qu'il y a une chaise. Je ne vais pas marcher. Vous voyez l'état du sol. Donc, je ne sais pas s'il y aura un grand trou ou pas. Il y a des gens qui visitent des châteaux, tout ça, vous savez, qui sont abandonnés. Ah, moi, j'adore. Bon, bien sûr, il ne faut rien abîmer. Hein. Il faut être respectueux des lieux. C'est pas parce qu'il n'y a plus rien que... Bon, là, il n'y a rien à filmer. J'étais déjà montée là. Une fois, j'avais fait une visite là. Attendez, je me tiens à la barre, hein, parce que. Voilà. Surtout que j'ai choupi avec moi, donc il est hors de question qu'elle soit baissée à cause de moi. Alors, il ne faut pas marcher sur la tôle, ici, vous voyez. Faut pas abîmer non plus la tôle. Ce que je vais faire, c'est que je, là, comme je connais, je vais marcher sur le côté là. Voilà, je sais que ça craint pas.
Je me tiens aussi à la barre, voilà. Protection, toujours penser à la protection. Je dis ça pour les jeunes qui feraient n'importe quoi. Voilà, moi j'ai 50 ans, donc je sais ce que je fais. Mais on n'est jamais à l'abri, d'accord? Je dis ça pour les jeunes. Alors, ici. Ok. Toujours regarder. Toujours regarder qu'est-ce qui pourrait tomber. Ne pas toucher les fils, même s'il n'y a pas de branchement, ne jamais toucher les fils. Ok.